Thank That's you. Exactly the way we're looking at it. So along the way, we met many schools, and one of the most outstanding schools that we met was in Rivière du Loup, and it was Saint Pierre, called the Saint Pierre, and that's the group that you see in front of you here. Lucie Dumont is incredible in organizing, and she has organized an incredible event when we came to Rivière du Loup. One that left incredible memories with me and Christopher and the students and everyone. And Lucie was, in a way, responsible for our present campaign called SOS4000. She encouraged me, after I finished Christopher's wish, to continue with this work, because the students were asking for it, and it was a great need to do it. So on October the 1st, 2007, from St. John's, we relit the torch of life, which was blessed by Pope John Paul II, and we organized 130 students from St. John's to Victoria to carry the torch and relay the torch and to bring attention to this need for organ donations. And we started on October the 1st, and yesterday we had a very terrific and beautiful event in Rivière du Loup, and we had the pleasure of meeting Rivière du Loup torch champion, Josiane Sirois. Félicitations. Yes, and she also created a project, which, if you can explain it in a few minutes, because he's... Projet, c'est faire sensibiliser le plus de personnes possible en trouvant le meilleur moyen. Notre moyen, ça a été de créer un site web avec des éléments et plein de choses. Félicitations. En fait, le projet est assez difficile. On va lancer le projet bien. Okay. On pourrait faire dans le système de la fondation avec l'Institut. L'idée, c'est de toucher dans le lancer projet, parce que ça va demander beaucoup de temps, mais 6 mois plus tard, on va lancer officiellement dans le cadre de la semaine des avocats en avril. Et l'objectif, c'est de vraiment toucher, celui le problème avec le cadre, les gens oublient. Bon. Mais c'est surtout, c'est la décision finale, c'est toujours les parents, c'est la famille immédiate qui décide. Et le sujet n'est pas pour nous dans les familles. Ce que vont faire les jeunes, avec grâce au site Internet, puis c'est de pouvoir réussir à que tous les jeunes du Québec, par des profs d'anglais, parce que moi je suis un enseignant en anglais, de faire des activités pédagogiques en anglais, mais le faire avec des petites vidéos, avec plusieurs témoignages intéressants. Et les gens parlent de ces petites vidéos-là sur la nécessité de parler avec leur famille. Puis sur notre site, ils vont pouvoir s'inscrire comme de participer à cette grande chaîne humaine. Donc, on veut réussir à ouvrir le débat de pas du tout, mais juste d'en parler. Au lieu de quand ça arrive, c'est au moment là, on faut qu'il y ait un. Puis, une fois que les enfants, aussi les grands enfants passent dans les enfants, on peut augmenter le taux de donants. Donc, en réussissant par le site Internet qui va rejoindre tous les enfants du Québec, pas seulement sur la terre, parce qu'il va être sur la terre, avoir des activités pédagogiques. Et grâce aux premiers anglais qui vont pouvoir faire ces activités-là, réussir à ouvrir le sujet des dons d'organes. Et ensuite, les gens vont bouger aussi une carte, mais c'est important. Mais d'avoir plusieurs petits témoignages intéressants, de fun, et vraiment bilingues aussi. On veut vraiment le site bilingue. Pour que le site, on a présenté les deux premiers. Page 7, là, lors du. C'est vraiment bien, c'est vraiment interactif, et, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de. On peut faire beaucoup de campagnes, mais si on va avec les jeunes n'ont pas grand âge, ils n'ont pas fortement. Je pense qu'on va pouvoir augmenter le niveau de taux de jeunes, le taux de donneurs au Québec. Ça va être un exemple, en tout cas, maintenant, peut-être que ce site-là va pouvoir servir d'avant, enfin, plus que. Je vous félicite, je vous présente Jean-Pierre et mon père, qui sont au bureau également, qui s'occupent de ce dossier-là. Maybe I'll just do a few remarks in English, so you can all understand. Vous apprenez l'anglais, vous comprenez bien l'anglais. Well, thanks for doing this. It's very important that we increase the awareness of organ agents
If you look within Canada, though, there is an analysis that shows that within all the provinces, Quebec is actually the only province in Canada where the rate of wrong in the nation is the highest, by far, actually. Because we've put in place systems like Quebec Transplant, or recently we've had an agreement with the attorneys in Ottawa, where when you go for a birth, wedding contract, or any kind of activity in which an attorney needs to write a contract, at the same time you can enter your consent form with the nation, which is entered on a computer system, which can be accessed from all hospitals across Quebec in times of need. So the figures, if I remember correctly, the rate of organ donation across Canada varies from 10 to 13 organs per million. In Quebec, it's 19, almost 20. But in Spain, it's 30. So we're better than other parts of Canada, but we're not as good as the best in the world. So we have to continue to work hard, because we know that still in Quebec, still people are unfortunately dying while waiting for organ donations. So whatever can be done to increase the awareness of the people and make them more aware of the importance of signing the card and expressing their consent is extremely important. And congratulate you all for doing this. I also want to bring you up to the present and what we're doing today. We also have with us students here from Quebec City that are going to have the torch relayed from Josiane at 1:30 by Mr. Copeland. Okay. And that will take place in front of the assembly. And today we also have Timothy Trudeau, and we also have Simone Renault, and she is from St. Charles, and Timothy is from St. Patrick's High School, so they had the job today of carrying the torch from the assembly to their schools. Félicitations. Malheureusement, je vois vraiment, yeah, I really must go now. I know that you're going to meet with my colleagues later from the opposition parties and also with Mr. Coleman. I greatly congratulate you. If I wait a little bit more, I'll be very badly treated by the assembly. Everyone together, and then I think you'll have your other meetings here. Mais vous approchez. Tiens, une belle initiative du professeur en plus. Bravo tout le monde. Congratulations. Good luck in your efforts. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir. Au revoir. Bon, madame, félicitations pour le très beau travail. On va répondre à vos nouvelles. Bye bye. Merci beaucoup. This torch that all of you are going to carry is very special.